Quelques semaines après le décès de Paco Rabanne, les stars du monde entier se sont rassemblées à Londres, le jeudi 16 février, pour rendre hommage lors d'un service commémoratif à la défunte créatrice de mode, Vivienne Westwood. Pour l'occasion, icônes de la mode et stars du petit comme du grand écran ont fait le déplacement tels que, le mannequin Kate Moss, l'actrice Helena Bonham Carter, Harry Potter, et l'ancien membre des Spice Girls, Victoria Beckham. La femme de David Beckham s'est présentée à la cathédrale Southwark dans une longue robe noire à manches longues drapées et des escarpins noirs mat. L'ancienne chanteuse de 48 ans, s'est montrée avec les cheveux complètement détachés qui cachaient la quasi-totalité de son visage ne laissant que transparaître sa paire de lunettes de soleil noires épaisses VB609S signée Victoria Beckham. Comme chanteuse et mère de famille de 48 ans qui a opté pour un look très chic pour la cérémonie, nombreuses sont les célébrités qui ont sorti leurs plus beaux vêtements punk de leur armoire en l'honneur de la créatrice. Ainsi, le service commémoratif de Vivienne Westwood s'est rapidement transformé en défilé de mode, de quoi rendre un bel hommage à la reine du punk en ce premier jour de Fashion Week à Londres. Un service commémoratif à l'image de Vivienne Westwood. Vivienne Westwood s'est éteinte le 29 décembre 2022 à l'âge de 81 ans, connue principalement pour avoir modernisé la tendance punk dans l'univers fashion. La créatrice de mode est également connue pour son caractère provocateur et est devenue au fil des années un véritable monument dans le monde de la mode au Royaume-Uni. Symbole de l'univers punk. Le service commémoratif de la défunte designer était à l'image de sa personne. Inoubliable. Au programme, fanfare, film de la défunte créatrice réalisé par son frère, discours de son fils et de son mari et pour finir une déclaration d'amour faite par la célèbre actrice de Harry Potter, Helena Bonham Carter. Une cérémonie plus que émouvante de quoi rendre un sublime dernier hommage à celle qui aura marqué toute une génération de fashionistas rebels. Yeah.